On l'appelle l'homme-loup. S'il a pu instaurer une telle relation de confiance avec ses loups, c'est qu'il les connaît et communique avec eux depuis leur naissance. À son contact, ces animaux intelligents et observateurs déchiffrent rapidement chacun de ses gestes et de ses cris. Ils savent quand il veut prendre soin d'eux ou quand il s'impose comme le loup alpha. Ils me considèrent comme leur chef. Ils m'aiment comme si j'étais ce qu'il y a de plus important dans leur vie. Si je n'avais pas appris leur langage, il n'y aurait pas eu de relation possible.